Au Maroc, l'actualité du festival Mawazine, rythme du monde. Hier soir, sur la scène du Bourgueg, le Togo était à l'honneur avec le groupe Voodoo Game, un groupe qui mélange soul et funk. Le chanteur et leader Peter Solo entend faire voler en éclats les stéréotypes sur la tradition vaudou en montrant le rapport que cette culture peut entretenir, notamment avec la nature et notre environnement. Écoutez quelques réactions de spectateurs au micro de Melinda Mrini sur des images de Faisal Abrouche. Il a mis le feu ce soir. Ouais, c'est bien, c'est le début, ça va monter crescendo, là, ça va être bien. Et vous, madame, comment vous avez trouvé? Bah écoutez, moi je me régale, il y a une super ambiance, et c'est un groupe extraordinaire, musicien parfait. Un chanteur au top, c'est vraiment excellent. J'adore, vraiment c'est top. Je pensais pas qu'il était togolais, j'ai appris ça ce soir. Et j'aime bien, il y a une bonne ambiance. Je le suis, ça fait des années. Il est toujours fantastique, il est toujours merveilleux. Il fait du show comme d'habitude. Bon, aujourd'hui sa prestation est encore au top, comme je le vois, comme d'habitude en tout cas.